Salut tout le monde. Bon bah voilà, comme demandé hier, je vais vous faire une petite vidéo sur mon potager balcon. Parce que hier pendant le live, tout le monde m'a demandé comment ça avait avancé plus ou moins. Alors, voilà, les petites tomates. Je leur ai fait un stress hydrique parce qu'elles ne rougissaient pas. Et maintenant, voilà, elles commencent à bien rougir. Le persil qui a super bien poussé. Je suis trop fière de mes tomates, elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Là, celle-là et celle-là, là, demain, elles sont mangeables. Et je vais me régaler. Puis voilà, c'est pas fini parce qu'il y a toujours des petites qui poussent. Donc au final, voilà, maintenant on peut identifier les différentes variétés. Donc ça va être une rouge allongée cornue. Ça va être une grappe normale rouge. Là, ça va être une on va dire une cœur de bœuf parce que maintenant on appelle ça comme ça, mais c'est des fausses cœurs de bœuf hein, forcément. Mais voilà, dans l'idée, c'est des cœurs de bœuf. Et là encore des tomates grappe rouge. Donc j'espère que celle-ci enfin j'espère que l'année prochaine je vais réussir à refaire les vertes, les zébrées vertes et les ananas jaunes. Voilà, je vous avais pas montré aussi, j'ai un petit nouveau. Ma soeur s'est débarrassée de son groseillier. Donc il a eu un petit peu de mal à s'y faire, mais maintenant voilà, il est reparti. Donc j'ai un petit groseillier maintenant. Le cana qui fait des bébés. Donc pour l'année prochaine, il y aura une fleur rouge, parce que c'est une plante bisannuelle qui pousse sur 2 ans pour faire les fleurs. Donc voilà, celle-ci, c'est pareil. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Elle s'arrête plus. Elle va arriver par terre. Bientôt, ça va faire une échelle pour monter jusqu'à mon balcon. Donc ma plante grasse, qui, c'est pareil, elle s'arrête pas. Elle est super jolie. J'ai récupéré des petits œillets de dinde. Donc voilà, hop, j'ai enlevé les petites tomates aussi qui étaient là. Donc là, je laisse pousser un petit plantain, mais pour mettre dans la petite salade. Et j'ai enlevé les tomates parce que bah malheureusement, elles ne donneraient rien. Elles ne poussent pas assez vite. Donc là, c'est pareil. Elle part dans tous les sens. Ça y est, elle est partie. Elle s'est acclimatée et elle est trop belle. Donc ça, voilà mon petit bleuet qui pousse bien. Mais malheureusement, en ce moment, il lève pas de fleurs. Donc ça, c'est... Lui, c'est pareil, il s'arrête plus. Il est parti. Il ressemble à rien. Tout part de la base, il est tout petit, après il devient énorme. Donc elle, c'est pareil. Si jamais les gens veulent des boutures un jour, venez, il y en a plein. La petite balconnière. Elles ont eu chaud. Hein. Les petits cactus. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, voilà, il s'arrêtait là, il a poussé là. Comme dirait ma mère, ça fait une couille et une bite. Donc elle, je l'ai divisé il n'y a pas longtemps. Parce que ça me faisait juste un petit truc là, mais voilà. Là, je l'ai tout divisé, je voulais refaire un truc bien, mais je ne sais pas si ça va bien reprendre. Donc mon petit bonsaï érable. Qui est super mignon. Là, c'est pareil, je sais toujours pas ce que c'est celle-là, mais on va attendre de savoir. Hein. Donc là, maintenant, je peux vous dire, j'ai pris une feuille, je l'ai écrasée, c'est un mandarinier. Ça sent la mandarine. Et je suis trop contente, il pousse super bien aussi, il va bien, il est haut, il est beau. Mes petites pensées, elles sont toutes mignonnes. Ta petite pensée sauvage. Ah puis oui, les petites herbes là, c'est les petits bulbes de muscari qui reprennent dans toutes les petites balconnières. Donc c'est vachement cool. Donc là, je suis en train de refaire prendre une lavande. Donc on va voir si ça marche. J'en avais deux, j'en ai dû en jeter une, mais bon, voilà. Ce qui me donne encore espoir, c'est que la branche n'est pas encore cassante.
Donc il y a encore du vert à l'intérieur. Sinon, ça voulait dire qu'elle était morte. Voilà, petite astère que j'ai aussi récupérée chez une cliente qui en avait trop. Donc là, la petite bouture qui prend et qui est super belle aussi. Ça c'est pareil, vous allez voir comment ça pousse vite. C'est un délire. Le petit Groot, je lui ai changé de tête. Maintenant de loin, on dirait une fourmi comme ça. Donc voilà. Là, j'ai fait une petite récup d'un petit band. Enfin, je vais en faire un petit bonsaï, mais c'est un conifère. Je sais pas encore lequel. Et voilà, tout petit, dans ton tout petit pot. Mon persil. Donc du coup, j'ai full persil. Je suis contente. J'adore le persil. J'ai récupéré un petit basilic. Voilà, il faut encore que je nettoie un petit peu les quelques trucs, mais il a bien pris. Et il sent vachement bon. Ma petite ciboulette aussi. Donc vous aviez vu le semis, ben voilà. Maintenant, pour l'instant, ça me fait de la fine herbe de ciboulette, mais elle a un goût. C'est génial. Donc là, j'ai enfin retrouvé le nom. Voilà. Mes petites pensées là font un peu la gueule, mais. Donc, ça. Cette plante. C'est le pourpier. Donc, c'est une. Comme dirait tout le monde, une mauvaise herbe. Parlons d'herbe, hop. Pour le compost. Donc, le pourpier. Ça pousse un petit peu partout. Hein. On en retrouve sur le trottoir, enfin, on en trouve vraiment partout. Et c'est une plante qui se mange, d'où le fait que j'en ai mis dans mes balconnières. C'est super bon. En salade avec de la tomate, ça passe super bien. Alors tout ça, ça se mange, la tige, les feuilles, enfin tout se mange. Tu prends une tige, tu coupes, et ça te fait un peu, bah, c'est un peu comme du persil, ça te fait une aromate au final. Elle se mange cuite comme crue, donc je vous conseille de la tester, ça a un petit goût très sympathique. Donc voilà. Hop. Le petit thym, la petite minette qui prend le soleil. Bon, alors ça, j'avoue que je commence vraiment à me demander ce que c'est. Hein. Parce que le pot de senteur, j'y crois vraiment pas beaucoup. Ma petite salade, elle a vraiment eu chaud. Hein. Elle a commencé à cramer et tout. J'ai cru qu'elle allait mourir, mais bon, ça va. Elle a continué. Donc vous voyez, encore du pourpier. Et là, une tomate qui me fait un truc. Alors... elle a flétri. Elle rougit, mais elle flétrit. Beau lui mettre de l'eau et tout. C'est la première fois que ça me fait ça. Je sais pas si elle sera bonne à manger. Au pire, ça me fera des graines. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs la seule chose que je vais en faire. Ce sera sûrement des graines. Donc le petit thym et le petit romarin. Voilà. Le petit bananier qui pousse bien. Avec la petite lavande que je voulais rempoter, mais comme j'ai toujours pas de pot, ça devient compliqué. Donc voilà, je voulais remercier encore les deux personnes, donc Mamzelle et merci à tous qui ont des chaînes YouTube d'ailleurs, d'avoir été là pendant mon live hier sur Discord. J'ai vraiment apprécié communiquer avec des abonnés, c'est vraiment sympa. Merci encore pour votre intervention et j'espère que la prochaine fois... il faut encore que je configure certaines choses, mais j'espère que la prochaine fois on pourra avoir plus de personnes qui pourront suivre le live et venir interagir avec nous. Voilà, des bisous.